Et salut tout le monde. Coucou. Donc bienvenue pour cette petite vidéo bonus, hein, puisque en attendant The Last of Us, puisque je vous disais que c'était le 4 juin, du tout, c'était le 14 juin qui va sortir, donc on a encore deux jours hein, avant qu'il sorte, parce qu'on est en train d'enregistrer cette vidéo bonus le 12, donc on va vous la poster le jour même, comme ça on sera fait. Donc on voulait vous remercier de nous suivre, de tous les messages que j'ai eu vis-à-vis de mon opération, donc je vous rassure. Tout s'est très bien passé, ma convalescence se passe très bien. Je viens de faire une sieste pas possible, j'ai même réussi à dormir sur le ventre alors que j'ai trois petites cicatrices, donc tout va bien, c'est impeccable. Donc, merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi, c'est très gentil, tout va bien. Sinon, je voulais revenir un peu sur la chaîne. Donc, la dernière vidéo bonus, nous en étions à 87 ou 89 abonnés. Là, nous en sommes à 133 abonnés. Donc, hein, j'ai gardé le PC pour voir le chiffre exact. Donc ça fait quasiment 50 abonnés de plus, alors que la dernière vidéo bonus remonte à juste avant DMC le reboot. Donc il y a DMC reboot, il y a eu le DMC 3, il y a eu Resident Evil Révélation, et puis c'est tout. Donc en seulement 3 jeux, on a récupéré déjà 50 abonnés. Donc c'est parce que vous avez, certains de ces abonnés là sont venus sur des jeux qu'on avait déjà tourné avant. Donc merci beaucoup à vous tous de vous être abonnés, de nous suivre plus ou moins. C'est voilà, ça prouve que notre travail porte ses fruits au fur et à mesure. Hein, voilà, il suffit d'être patient, ça vient tout seul. Finalement, on fait de la suffisamment bonne qualité pour vous, pour que vous continuiez à nous suivre et que vous vous abonniez. On en était aussi à 20... je me souviens plus bien si j'ai raté, j'ai oublié, comme je disais à la précédente vidéo. Je crois qu'on était à 21 000 vues lors de la précédente vidéo bonus. Là, on est à 35 000 vues, rien que ça. Donc on s'est gagné quasiment 13 000 vues en si peu de temps aussi. Ça fait beaucoup pour une très petite chaîne comme la nôtre. Donc je suis encore sur le cul. Surtout sur la excellente vidéo chapitre 2 de Ada, hein, la fameuse chapitre 2 de Ada en découverte de Resident Evil 6, qui fait 5020 vues elle toute seule. 5000 vues, c'est énorme. Je vois que j'ai pas été le seul à galérer, à me retrouver bloqué pendant une demi-heure, à me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce fichu pendu. Donc voilà, c'est pas rien. Sinon, un autre truc aussi qui m'a vachement surpris, c'est que vous étiez seulement 2-3 à me demander Resident Evil Opération Raccoon City. Pas mal à le critiquer, à dire que bon, ben, finalement, de toute façon, il serait pas. Il voudrait pas le coup, il y aura pas beaucoup de vues. Hein. Je ne parle pas. Que pour Super Beyond 10, hein, il n'était pas le seul. Et que l'empêche, eh ben c'est le jeu qui fait le plus de vues en globalité. Il est quasiment à 100 vues sur chaque vidéo. Ça en est impressionnant, je ne m'attendais pas à ce point. Pourtant, même le DMC Reboot, le Tomb Raider, enfin, c'est des jeux récents qui pourraient attirer du monde et tout. Eh ben, ils font moins de vues que ce jeu-là. C'est vraiment surprenant. Donc voilà, ben, encore merci à vous de nous rejoindre. Donc le prochain jeu sera The Last of Us. Après, bon, on ne sait pas trop ce qu'on va vous faire parce que ça dépendra des budgets. Bon, parce que pour l'instant, au niveau argent, vous imaginez très bien qu'on est un peu ric-rac. Donc voilà, à ce niveau-là, donc merci au niveau des vidéos. Maintenant, j'aimerais remercier certains internautes qui commentent nos vidéos. Donc je remercie tout d'abord Malicia. Donc, bon, je n'ai pas ton pseudo exact, je ne me souviens plus trop, mais donc tu es apparemment canadienne et tu commentes beaucoup des Silent Hill, donc apparemment c'est le jeu qui t'a fait découvrir notre chaîne, donc du coup tu t'es abonné. Et tu as des commentaires très, très pertinents, on peut discuter, en général je te réponds, tu me réponds, voilà, on a vraiment l'interactivité, ça fait très plaisir. Il y a aussi Rancette59, bon, désolé, hein, Révélation ne t'a pas vraiment plu. Tu n'es pas le seul, apparemment il y a je ne sais plus trop qui m'avait dit que Révélation ça l'avait pas spécialement plus chauffé que ça. Par contre, bon, malheureusement le jeu ne nous a pas spécialement intéressé, mais je vous invite quand même à aller regarder, je vous mettrai le lien en commentaire. C'est le chapitre bonus en mode mercenaire, en commando, donc eux ils appellent ça, pour donc le dernier en fait, donc vous allez voir les mecs sont niveau maximum, ils ont des armes de fou furieux et vous allez voir à quel point ils ont chié, vous allez voir la qualité de la mission, elle est énorme et c'est vraiment un réel plaisir à voir, vous allez voir que les mecs ça fait très bien jouer, même si ça reste des humains, ils font quand même des erreurs,
et vous allez voir que cette partie est énorme. Donc je voulais remercier donc Joanne Le Sceau qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc bon, je regarde en même temps sur le PC ce qui a demandé un dégât. Donc c'est Malicia 1983. Donc hein, on n'est pas si. T'es âgé de juste un an de plus que moi, hein, t'as déjà 30 ans, enfin au moins t'es sur tes 30 ans. Moi j'ai eu 29 ans le 6 juin dernier. Donc il y a qui encore? Donc Retro Games, Soundtrack, qui nous suit souvent, qui poste aussi ses commentaires. Et je crois que c'est toi d'ailleurs aussi qui aime pas trop Révélation. Oui, c'est bien toi. Donc merci à toi de mettre beaucoup de commentaires. C'est vrai que je me suis abonné à ta chaîne parce que je la trouvais intéressante. Je la regarde de temps en temps, je te dirai pas le contraire. Malheureusement, je prends pas vraiment le temps de commenter. J'ai vraiment, et encore, je suis au chômage, j'ai vraiment une vie très remplie entre le jeu sur le téléphone portable, les jeux sur le PC, les jeux tout court sur console, sur toutes les demandes que j'ai eu du coup, à savoir pour jouer à deux joueurs, etc. Faut pas croire comme ça, ça prend beaucoup de temps. M'occuper de ma petite femme, évidemment, regarder un peu la télé le soir avec elle. C'est-à-dire que le soir, je n'ai aucune activité à jeu vidéoïstique. Donc voilà, il faut m'excuser sur le fait que vous m'en regardez beaucoup. Moi, je vous regarde moins, je suis vraiment désolé. Ça donne pas trop l'échange équivalent, comme dirait Full Metal Alchemist. Mais voilà, c'est en tout cas, ne vous inquiétez pas, je pense à vous, je regarde vos vidéos quand je peux me le permettre. Donc ça fait très plaisir. Donc il y a Welsh, donc 16XX, Welsh 16XX, donc un de mes plus grands fans sur Command Conquer qui continue à me suivre. Qui devrait pas tarder d'ailleurs à sortir des vidéos sur Command Conquer 3 sur sa chaîne. J'en ferai sa pub de suite dès qu'il la sortira parce que c'est un mec qui vaut le coup. Il est là pour apprendre à jouer. Vous verrez que c'est un mec qui a peut-être pas forcément beaucoup d'expérience. Mais voilà, c'est pas un rageux. Il apprend à jouer. Il a quand même une assez bonne expérience déjà de base, hein, on va dire, mais voilà, on voit qu'il a quelque chose et que ça c'est intéressant à voir. On va dire que s'il poste une vidéo que je vais lui dire non, t'aurais peut-être dû faire ça à la place de ça, il va changer direct. Voilà. Vous verrez qu'à la vidéo d'après, il le fera autrement, ça je suis sûr et certain. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, donc je ne me souviens plus, Julien Datpower. Donc pareil, je te réponds pas trop en ce moment, que j'ai toujours ta vidéo qu'il faut que je regarde pour voir si la partie était intéressante, pour la commenter et la mettre sur YouTube. Et j'ai pas vraiment le temps, c'est vrai qu'en plus avec la convalescence en ce moment, ben, je me repose plus qu'autre chose. Donc là, c'est pour ça qu'on en profite pour faire la petite vidéo bonus. Donc merci à toi de t'enseigner sur mes vidéos de Command Conquer 3. Ce qui prouve que finalement, je n'ai pas tant fait pour rien que ça, parce qu'au début, ça a eu beaucoup de mal à démarrer. Hein. Je ne tournais pas plus aux alentours de 15-20 vues par vidéo, et ce sur 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc on peut se dire, bon, je fais des vidéos vraiment pour le plaisir. Bon, maintenant, je suis à quasiment plus de 200, voire 600 selon les vidéos, donc ça fait plaisir. Surtout pour ceux qui jouent à Command & Conquer 3. Vous regardez souvent les raccourcis clavier partie 1. C'est bien. Regardez la partie 2 aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Et des choses très utiles quand vous jouez contre d'autres joueurs. Donc, regardez-le, c'est important. Enfin, surtout si vous voulez progresser, évidemment. Ceux qui votre vie en dépend. Enfin, votre vie, oui, votre vie sur le jeu en dépend, vraiment. Vous allez voir que c'est des petites astuces comme ça que vous vous dites « Ah ouais, pas con ». Donc voilà, surtout n'hésitez pas à le faire, c'est pas pour rien que je voulais tourner en deux parties. Enfin, surtout qu'à l'époque, je savais pas faire des vidéos de plus d'une demi-heure, donc voilà. Sinon, mis à part ça, je crois qu'on en arrive à peu près à tout le monde. Donc voilà, bon, pour tous ceux qui se sont abonnés, je suis désolé, hein, encore une fois, vous êtes trop nombreux. Il aura fallu que je fasse une liste, il aura fallu que je passe une demi-heure, une heure à faire une liste sur tous les nouveaux abonnés. Parce que comme je viens de vous le dire, il y en a une cinquantaine en plus qui se sont ajoutés. Donc entre les nouveaux utilisateurs qui n'ont pas de pseudo, hein, et ceux qui ont un pseudo, par exemple Joanne Le Sceau, hein, tu as de la chance, tu es sur la page, donc je te cite, je te fais la petite dédicace. Donc merci à vous de nous rejoindre, franchement ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça, comme quoi ben, la chaîne se porte très bien. Donc bon, ma femme ne parle pas beaucoup, mais je sais qu'elle est là, et c'est pas pour rien. Je sais que ça vous plaît qu'elle soit là. J'espère réellement, mais et elle aussi, que The Last of Us sera jouable à deux en écran splitté, qu'on puisse jouer à deux, qu'on puisse reprendre le plaisir de jeu qu'on a eu sur Resident Evil 6.
parce que c'était énorme de pouvoir jouer avec ma femme, de pouvoir se régaler, de pouvoir l'engueuler de temps en temps, lui dire mais arrête de stresser, fais les choses correctement, tranquillement. Ce combus a l'air d'être un super gros survival horror, mais assez bien réaliste, où il va vraiment falloir faire gaffe à ce qu'on fait pour pas devoir gaspiller des munitions, à se retrouver dans la merde. Donc en plus super beau, donc je sens qu'on va bien se régaler sur ce jeu là. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire le coup foireux de Resident Evil Révélation de « Oui, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir jouer à deux, c'est promis, tous les couples qui ont l'habitude de jouer à deux, vous allez pouvoir jouer à deux, ouais, sur internet. » Là, ça va être un peu plus chiant. Donc à moins qu'on ait la chance que le beau-frère se l'achète aussi, et là, à ce moment-là, ben, on lui piquera sa PS3 en même temps, donc ma femme ira jouer dans la chambre. Moi, je jouerai ici, donc on fera la vidéo, la partie caméra ensemble, mais après, on se séparera pour jouer. Mais ce serait quand même beaucoup plus sympa si on peut rester à côté l'un de l'autre. C'est voilà. le plaisir de rejouer comme on l'avait rejoué pour Resident Evil 6. Donc sinon, à part ça, je vous ai dit beaucoup de choses d'un coup. Sinon, si, je voulais quand même remercier Super Biondis, malgré son petit coup de gueule sur la vidéo, d'être venu nous rejoindre finalement sur notre chaîne. Donc voilà, comme il l'avait dit, hein, il continue à nous suivre et il continue toujours à nous suivre, même s'il n'est plus abonné, ne serait-ce que sur ma fanpage de Facebook, ni sur ma chaîne YouTube, et continue à le suivre. Donc il nous a commenté la dernière vidéo de Resident Evil Révélation. Tu remarqueras que je t'ai répondu, donc ça fait toujours plaisir de te lire, surtout quand c'est des commentaires où on peut vraiment interagir, qu'il n'y a pas d'animosité dedans. Donc pour toi, il n'y avait pas d'animosité à ce moment-là lorsque tu nous as écrit sur Facebook. Nous, on l'a ressenti comme ça. Voilà, je suis désolé, ça s'est mal passé. Bon, je préfère qu'on arrive à repartir sur de meilleures bases. Parce que tu restes quand même notre premier abonné, celui qui nous a lancé sur YouTube, celui qui fait que, bon, ben, au final, on en est là, hein. Enfin, tu nous as lancé dessus. Bon, après, on ne te doit pas la vie, malheureusement aussi, hein. Voilà, d'autres gens nous ont suivis, etc. Mais, enfin, voilà, t'es notre premier, number one, donc, bon, t'es quand même l'exclusif, quoi. Donc, ça fait plaisir de te retrouver parmi nous. Et puis, mis à part tout ça, voilà, donc j'espère qu'aussi on arrivera à vous tourner le Skyrim. Voilà, ouais, vous comprenez pourquoi. Parce que, alors, je suis pas sûr que Fraps arrive à tenir le Skyrim. J'espère réussir à trouver un autre moyen. Je pense qu'il doit y avoir moyen, mais bon, j'espère réussir à le trouver. Parce que bon, je pense que certains doivent le connaître de nom, surtout. Parce que vous savez que c'est un jeu qui tourne pas sur tous les PC. Il tourne sur le mien, j'ai la chance. Mais voilà, bon, Fraps, vous savez que ça bouffe beaucoup de mémoire virtuelle, et que donc Skyrim ça en bouffe beaucoup aussi. Donc les deux, pour pas qu'ils rentrent en collision, j'espère que ça va pas trop les ralentir. Si c'est le cas, tant mieux. Donc on vous fera découvrir au moins la quête principale. Donc si ça vous plaît, on vous fera des petites vidéos, hein, de temps en temps, entre chaque vidéo, hein. Je prendrai plus de plaisir, surtout qu'en ce moment j'ai perdu beaucoup de plaisir à jouer à Command & Conquer 3. Il n'y a plus trop de challenge, c'est toujours soit des très 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 forts qui veulent me jouer, donc je me prends des raclées parce que je perds la main de plus en plus, soit ben, des gens moyens ou débutants qui ben, ne veulent pas du tout me jouer parce que quand ils voient mon niveau, enfin, voilà, ils se sont totalement dépassés, ils prennent pas plaisir à me jouer et je les comprends, donc c'est normal qu'ils aient pas envie de me jouer. Donc moi je prends plus trop plaisir à jouer à ce jeu, donc voilà, j'y suis de temps en temps, mais assez rarement quand même. Sinon, je fais un gros big up à ceux qui me connaissent de Tiberium Alliance, hein, évidemment, entre Tchepa, hein, donc il y a Salut, Chibienne, Tarek Telecom, donc Oussama, un gros big up à toi aussi, donc à toute ton équipe, donc il y a Castorama, il y a Flex Tapper, il y a tout ça, donc il y a Ibis aussi à qui je te fais un gros big up, donc voilà, toute une équipe, donc on a à peu près une cinquantaine, donc je ne vais pas tous vous citer. Et voilà, au moins les principaux. Et puis, voilà, bon, je pense que pour une petite vidéo bonus, on ne doit pas être loin bon, des 10 minutes, hein, comme d'hab. De toute façon, je pense pas qu'il y ait besoin de faire beaucoup plus. J'espère que ça vous aura bien plu. Moi, j'ai beaucoup parlé d'un coup, donc j'ai la gorge très sèche, je vais vite voir après. J'espère que vous êtes bien en attente de... comment ça s'appelle, The Last of Us. Je pense que peut-être que demain, il sera sorti, donc ma femme aura le droit d'aller le chercher, parce que moi, je peux pas trop me déplacer. Je peux bouger, mais vu que bon, maladie de Crohn dit que c'est par rapport à transit intestinal, hein, et quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, eh bien, il vaut mieux que j'y aille de suite. Donc si je suis dans la voiture, ça doit se coincer un peu. C'est pour ça que ce sera ma femme qui ira le chercher, et après on pourra se le faire tranquille.
Donc, en espérant de pouvoir vous retrouver sur, en commentaire et en vue, donc n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces, hein, ça permet à ce que les vidéos soient mises plus en avant sur YouTube, donc comme ça, ce sera découvert par d'autres personnes, donc ce sera sympa. Et aussi, n'hésitez pas à en parler sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc., tout ce que vous connaissez, histoire que tous vos collègues puissent vous rejoindre. D'ailleurs, un grand big up à James Raven, donc, qui nous a ramené deux de ses collègues sur la chaîne, du moins un, ça c'est sûr, je crois qu'il y en a un deuxième, mais je suis pas sûr. Donc, un grand merci à lui. Et puis, on va vous dire à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, et amusez-vous bien.